Tout se passe très bien. Tout se déroule normalement. La mobilisation a dépassé même nos espérances. Et il y a une forte mobilisation des populations, comme vous-même vous le constatez. L'ambiance est très bonne. Et tout ceci nous rend optimistes par rapport au samedi prochain, à la soirée du 22 février 2020. Donc nous pensons que le 22 février, tout sera terminé en termes d'élection présidentielle et que notre grand parti, tout naturellement, sortira vainqueur. Le message est simple. Les populations elles-mêmes savent, elles voient les actions du président de la République, le président Faure, notre champion. Elles sont témoins de toutes les réalisations qui sont faites. Et ensuite, nous leur avons dit qu'il y a eu du chemin qui a été fait avec le président Faure. Il reste encore du chemin. C'est pour ça que le parti et l'ensemble des militants et des sympathisants, avec bien sûr certains partis politiques amis et les indépendants, et nous tous, nous apportons notre soutien au président Faure dans cette campagne pour lui permettre de poursuivre ses actions de développement. Le message aussi, c'est un message de paix et de sécurité. Vous savez, la paix et la sécurité que nous vivons dans notre pays, ce n'est pas fortuit. C'est un travail qui se fait au quotidien et celui qui est l'artisan de cette paix et cette sécurité, c'est le président de la République, le président Faure. Je ne vous dirai pas ce que la paix représente pour un pays, et notamment en termes de développement. Nous sommes témoins de ce qui se passe dans les pays voisins et c'est grâce au président de la République que notre pays, le Togo, est aujourd'hui un îlot de paix. Nous sommes certains de réaliser un coup KO samedi 22 février 2020. Ça, c'est sûr. Nous sommes convaincus parce que nous sommes sur le terrain. Nous voyons ce qui se passe. Nous écoutons les populations. Maintenant, s'agissant du sésame qui permet à chaque citoyen d'accomplir son devoir civique, nous faisons un travail quotidien, permanent et qui nous rassure. Ça fait partie de nous, nos stratégies. Et nous sommes convaincus que c'est une stratégie très efficace. Et vous verrez le samedi prochain.